No, tonight is a night of prophetic actions. Cette soirée est une soirée d'action prophétique. By the shooting of the arrow. Papa Billy a commencé avec le tir à l'arc. Did you hear what I said? Est-ce que vous m'avez compris? Anybody who had always hunted you. Tous ceux qui vous ont pourchassé avant. Watch this year. Observez cette année. Their horses will be cut off. Leurs chevaux seront coupés. I give you a 3 month sign. Je vous donne un signe de 3 mois. Those ones that are meant for affliction, let their sicknesses begin now. Ceux qui sont conçus pour l'affliction, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hey! There is somebody here who came here and was is afraid to go back home. Il y a quelqu'un qui est venu ici mais a peur de rentrer à la maison. He was planning or she was planning a journey elsewhere after living here because la personne planifiait voyager pour aller ailleurs parce qu'elle n'a pas de raison de rentrer tonight chez elle. I prophesy to you. Ce soir, je prophétise dans ta vie. Within 3 months, you will have a new house. Dans 3 mois, tu auras une nouvelle maison. Tonight, as the Lord liveth. Ce soir, alors que l'Éternel vit. I prophesy to you. Je fais la prophétie dans ta vie. That which you are running away from. Que ce que tu fuis. The earth is going to take it away from you. La terre va te l'enlever. Thirdly, I prophesy to you. Et troisièmement, je prophétise dans ta vie. You will go back to that house. Que tu rentreras dans cette maison. You will dust off your feet on that house. Tu secoueras la poussière de tes every pieds de cette hidden maison. Secret in that house. Et tout secret caché dans cette maison. They will reveal themselves and be caught up by fire. Seront révélés et seront brûlés. Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I didn't hear somebody shout amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier amen. Because the I am. Parce que le je suis. Is in charge. Et au contrôle. Look, another name for number 8 is I am. Voyez un autre nom pour le chiffre 8, c'est je suis. I'm interpreting the letter 8. J'interprète le chiffre 8. The letter 8. Le chiffre 8. Because the only owner of life, the perfect definition of life. Parce que la définition parfaite de la vie est le propriétaire de la vie. He has no name at all. N'a pas de nom du tout. Can I listen? Écoute. When the Bible says I am. Lorsque la Bible dit je suis, he means I am what you want me to be. Il veut dire que je suis ce que tu veux que je sois. Eh? If I need to become the wind, si je dois devenir le vent to overthrow your situation, pour renverser tes situations, I am that wind je that suis overthrows your situation. Ce vent qui renverse tes situations. If I need to become a child, si je dois devenir un enfant, to take away your shame, pour t'enlever la honte, and take away barrenness from you, et and give you children. Stérilité. In this year, I will become a child in your womb. Hey, il veut donc dire que cette année, je deviendrai un enfant dans ton sein. Tonight, every law of Satan. Ce soir, toute loi de Satan. That has stopped your connections with time and promotion. Qui a stoppé tes connexions au temps et à la promotion. Let that law dissolve now while you are here standing. Que cette loi soit dissous ce soir. I release the angel of the firstborn to visit you tonight. Je relâche les anges des premiers-nés pour ta vie ce soir. Listen. Écoute. It's not a coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. That we are holding this program in the month of the firstborn. Que nous tenions cette conférence pendant le mois du premier-né. We entered into the month of Nissan on Saturday. Nous sommes entrés dans le mois de Nissan samedi. Nissan. According to Exodus chapter 12, selon Exode chapitre 12, shall be declared the beginning of months. Sera déclaré le commencement des mois. And in a year of beginnings, as number 8, 2018. Dans l'année des commencements, comme en 2018. Of the gift of life. Du don de la vie. Only I am can reverse time. Seul le je suis peut
Révoquez le temps. I will take you to that teaching tomorrow morning. Je vais vous amener dans cet enseignement demain matin. Because your season for turnover has come. Parce que ta saison de demi-tour est arrivée. Your season to transcend your situation has come. Ta saison pour transcender ta situation est arrivée. Your enemy will wake up and find you as a king over him. Ton ennemi se réveillera et te trouvera comme roi sur lui. I release the hand of God to touch you now. Je relâche la main de Dieu. Receive your miracle in the name of Jesus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Can you open your mouth and begin to give God glory tonight? Lève ta voix et commence à glorifier Dieu ce soir. Bénis le Seigneur. Bénissez-le de partout. Bénissez-le de partout. Bless the Lord. Bénissez le Seigneur. Bless the Lord. Bénissez le Seigneur. Now listen. Écoutez. I'm going to give you an assignment for tonight. Je vais vous donner un devoir pour ce soir. And it's very important. Et c'est très important. Très important. You will tell the great I am. Tu diras au grand je suis. According to the book of Revelation chapter 1. Selon le livre de la Révélation au chapitre 1. If you start reading from verses 7 and 8. Si tu commences la lecture aux versets 7 et 8. He says I am Alpha and Omega. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. The beginning and the end. Le commencement et la fin. Did you hear what I said? Est-ce que tu m'as compris? Listen to me. Écoute-moi. Tomorrow I'm going to introduce you to the angels of time. Demain je vais vous introduire aux anges du temps. In the Bible they are called watchers. Dans la Bible ils sont appelés sentinelles. Watchers are not the same thing as watchmen. Les sentinelles ne sont pas ils sont pas les mêmes comme les gardiens. They are ancient spirits that live with God. Ce sont les esprits anciens qui vivent avec Dieu. And there are human beings in heaven that existed before Adam. Et il y a des êtres qui ont vécu dans le ciel avant Adam. They are called the holy ones. Ils sont appelés les saints. Did you hear what I just said? Est-ce que tu m'as compris? God did not make human beings for the first time. He made human beings from what he had already created. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la première fois, mais c'était sur la base de ce qu'il avait créé avant. He already had people in heaven who looked like him before creation. Il avait des gens au ciel qui lui ressemblaient avant la création. Otherwise, where did the 24 elders that surrounded the throne come from? En d'autres termes, d'où sont venus les 24 vieillards qui entouraient le trône? The 24 elders in heaven existed before creation. Les 24 vieillards dans le ciel ont existé avant, existaient avant la création. They were not created the same day as Adam was created. Ils n'ont pas été créés le même jour qu'Adam. I have done my studies. J'ai fait des études, hein. Interestingly, one of my sparring partners in this study was Peter Wagner, the late Peter Wagner. Et c'est intéressant de savoir que l'un de mes sparring partners dans ces études c'était le late Peter Wagner. They know he was my international mentor. Ils savent qu'il était mon mentor international. Right from the days of Yonggi Cho. Depuis les jours de Yonggi Cho. Listen to me because this is very important. Écoute-moi parce que ceci est très important. Man existed before the first Adam. L'homme a existé avant le premier Adam. The first Adam was not the beginning of man. Le premier Adam n'était pas le commencement de l'homme. There is a perfect species of man that has never been with sin. Il y a une espèce de l'homme parfaite qui n'a jamais connu le péché. But from the beginning they were angels. Mais depuis le commencement ils étaient des gens, des anges. Did you hear what I just said? Est-ce que tu m'as compris? Did you hear what I just said? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Jesus did not make a mistake in taking the form of man a second time. Jésus n'a pas fait une erreur en prenant la forme de l'homme la deuxième fois. There is nothing that is on earth that did not exist before. Il n'y a rien sur terre qui n'a pas existé avant. Tonight, ce soir, your original that has been stolen will be restored by force. Ton original qui avait été volé sera restauré par la force. Can you say Heavenly Father? Dis Père Céleste, I enter into covenant with you tonight. J'établis une alliance avec toi ce soir. To go to war on my behalf. Afin d'aller en guerre en ma faveur. To restore my original. Pour restaurer mon original. In this day when Jesus became the substitute. En ce jour où Jésus est devenu le substitut. In this month when Jesus became the substitute. En ce mois où Jésus est devenu le substitut. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the original me be restored. Que le original de moi soit restauré. As was conceived before creation. Comme il a été conçu avant la création. Before I was born in my mother's womb. Avant que je ne naquis dans le ventre de ma mère. I receive this divine visitation. Je reçois cette visitation divine. Visit me tonight. Visite-moi ce soir. Change my story tonight. Change mon histoire ce in soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I didn't hear somebody shout amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier amen.
Because this year God is talking to creation. Parce que cette année Dieu parle, s'adresse à la création. To take away every semblance. Afin d'enlever toute ressemblance. And restore back the original. Pour restaurer l'original. That means the original copy of Cameroon is going to start taking place this year. Ça veut dire que la copie originelle du Cameroun commencera à se manifester cette année. The original copy of Nigeria is going to start taking place this year. La copie originale du Nigeria va commencer à se manifester cette année. People came to me to ask. Les gens sont venus vers moi demander. What will the election next year in Nigeria look like? À quoi ressembleront les élections l'année prochaine au Nigeria? I said you should go and pray that the leaders survive this year first of all. J'ai dit premièrement allez prier que les leaders survivent. Because those you see speaking today will not run for election next year. Parce que ceux que vous voyez parler aujourd'hui et que vous entendez parler aujourd'hui ne vont pas se présenter aux élections l'année prochaine. And they left very sad because I said that. Et ceux-ci sont partis très attristés parce que j'avais dit cela. This first month of the year, Jesus became a substitute for me. Ce premier mois de l'année, Jésus est devenu la substitution pour moi. Did you hear what I said? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Do you know that this is one of the first few years in history? Savez-vous que celle-ci est l'une des rares années dans toute l'histoire? When the worldly Easter day is coinciding with the Passover. Où la Pâque mondaine coïncide avec la traversée. Normally they are 1 week different. Avec la Pâque réelle. Normally they are 1 week different. Normalement ils ont une différence d'une semaine. But this year, mais cette année-ci, God is catching it so that he can magnet Satan and hold him. Dieu se saisit de cela afin de pouvoir. Satan is not going to escape judgment this year. Afin de pouvoir attraper Satan comme un aimant qui ne fuit pas cette année. Every demon in your life is not going to escape judgment this year. Tout démon dans ta vie ne fuiront pas le jugement cette année. But you must go back to your original state. Mais tu dois rentrer à ton état originel. They were once called saints. Auparavant, ils étaient appelés saints. Go and check your strong Bible translation. Allez et sondez votre traduction et vos dictionnaires. The meaning of the word the Holy One is saint. La signification du mot le saint, saint. C'est saint, saint. Did you hear what I just said? It was from that image you were created. C'est à partir de cette image que tu as été créé. Ah, every photocopy of you that is walking on the street. Toute photocopie de toi qui marche dans les rues. Let it die tonight. Qu'elle meure ce soir. So any of you possessed by a spirit. Ceux d'entre vous qui sont démoniaques. I swear by the Lord God Almighty. Je jure par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. If you are ordinary dust that was created by the dust. Si tu es la poussière ordinaire qui a été créée par Dieu. That spirit will not sleep in your house tonight. Cet esprit ne dormira pas chez toi ce soir. I release the curse of that spirit by this dust. Je relâche la malédiction sur cet esprit par cette poussière. For the congregation. Et je la lance sur Jesus au nom de Jésus. Somebody shout, oh God, arise. Que quelqu'un crie, oh Dieu, lève-toi. And let your enemies be scattered. Et que tes ennemis se dispersent. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Somebody shout, yeah. Quelqu'un crie, somebody give Jesus a shout of praise. Si quelqu'un pousse un cri de louange au Seigneur. How many people?